Le nœud est l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'avons montré tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom du feu. Agneau qui sauvait un Jacques qui chercha mon Dieu et que la fin se lui attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon revers? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessus d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je ne sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née, reprit l'agneau. Je tète encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je ne l'ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. Là, on me l'a dit, il faut que je me vende. Là-dessus, au fin des forêts, le loup emporte le monde. Ce n'est qu'une forme de procès. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'avons montré tout à l'heure. Un agneau se désaltérant dans le courant du monde pur. Un loup survient à Jean, qui cherchait aventure, et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant plus de 20 pas dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je m'étais pas née, reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Jean de la Fontaine. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'avons montré tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Dieu. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me bats désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler ta boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous m'épargnez d'air, vous vous vergez vos chiens. Ils me l'ont dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Jean de la Fontaine. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons le montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans un courant du nom de feu. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure et que la faim a essayé d'attirer. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puisse troubler sa boisson. Tu l'as troublée, dit cet animal plein de dit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est donc toi, c'est donc ton frère. J'en ai mon point. Alors c'est quelqu'un des tiens. Car vous, vous m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte. Il demande son autre façon de son autre forme de procès. Jean de la Fontaine. Loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom pur, quand soudain un loup survint à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Reprit, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant
plus de 20 pas au-dessus d'elle et que par conséquent, je ne puisse en aucune façon troubler votre boisson. Tu la troubles ! Reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu m'es dit en passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née ? Reprit l'agneau. J'étais encore ma mère. C'est donc ton frère ! Je n'en ai point. C'est donc l'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et le mange sans aucune forme, sans autre forme de procès. Je vous demande la fontaine.